Bonjour cher Ludinote, aujourd'hui je vous fais un double déballage parce que j'ai acheté The Captain is Dead et l'expansion, ou la deuxième saison comme on le dit, The Captain is Dead Lockdown. Donc c'est tout neuf, c'est la dernière version. Chose qu'on remarque, c'est que les boîtes sont assez petites comparées à une boîte de mouchoirs. Ça donne environ un peu une idée de la taille. Mais je pense que c'est bien parce qu'il y a des plateaux qui sont pliés en quatre là-dedans. Donc je pense qu'une fois c'est ouvert, ça va bien recouvrir la table. Et ça va donner un espace de jeu tout à fait confortable. Donc on va tout de suite déballer ça et je vous compare les contenus des deux boîtes. Donc la première saison, en fait, c'est un vaisseau spatial qui se fait attaquer. C'est un gros clin d'œil à Star Trek. Donc chaque joueur joue et puis directement après, il y a une carte de hasard, une carte de danger qui est retournée. Alors on voit ce qui se passe. Dans Lockdown, c'est la deuxième saison. Et en fait, pour survivre à la première saison, il faut engager les moteurs, le warp drive. Donc une fois que ça c'est réussi, soi-disant, on dit engage et on est parti. Et on est sain et sauf. Sauf que les aliens nous rattrapent et dans la deuxième saison, il y a des joueurs qui sont enfermés dans la prison. Et la deuxième saison consiste à s'échapper de la prison. Donc ça c'est tout à fait autre chose. Il y a plus d'ennemis, plus de variété dans les ennemis, ce que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai aussi acheté la deuxième saison, parce que j'ai bel et bien l'intention de combiner les deux jeux. Je ne sais pas encore maintenant comment je vais le faire, mais je vais certainement le faire. Parce que dans la première saison, il y a un type d'ennemis, et ils font rien d'autre que bloquer les chambres. Les espaces dans le vaisseau spatial, tandis que dans le deuxième, ils sont quand même un peu plus actifs et ils ont plus de fonctions. Donc voilà, on ouvre la boîte, tout de suite on a le livre de règles pour les deux saisons. Ce qui m'a aussi intrigué, c'était de savoir les personnages qu'il y a dans la première saison et dans la deuxième saison. Et en regardant sous des tutos et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais ils s'en ajoutent quelques-uns en plus pour la deuxième saison. Donc, ce qui est un peu logique, puisque la deuxième saison, c'est la continuation. Et en fait, il y a quelques-uns des membres d'équipage qui vont survivre à l'attaque et qui vont alors après se retrouver en prison. Donc, les règles sont pas très compliqués. J'ai regardé plusieurs tutos, c'est vraiment très clair et c'est facile à jouer quoi. La deuxième partie, deuxième saison, est un peu plus compliquée à jouer. Alors maintenant, voyons voir les personnages. Donc, c'est au fait des personnages en plastique qu'on dépunch et qu'on met sur un petit stand en plastique. Et je vois que, oui, il y a des standees où il y a le bras qui dépasse, par exemple, que c'est découpé, mais il y a une partie du personnage qui est un peu coupée dedans, quoi. C'est ça un peu dommage. Et je me demande si dans la deuxième saison, ils ont fait ça mieux. Ça, on va directement voir. Donc ça, ce sont les personnages de la première saison. Ça, c'est le plateau pour jouer. Donc, il n'y a pas de souci, ça remplit bien la table. Et quand on est à plusieurs joueurs, donc on voit bien clairement ce qui se passe, etc. Alors, il y a un finish, c'est vraiment bien fait. Donc, il y a mat et puis il y a un peu brillant, donc avec plastifié. C'est vraiment très bien. Le vaisseau spatial, c'est très clair. Donc, c'est vraiment beau. Alors je vais déplier le deuxième plateau aussi et vous montrer pour comparer. Alors le deuxième plateau est de taille identique, tout aussi coloré, finish avec parties qui sont un peu brillantes, parties mates.
L'intérieur du vaisseau, c'est aussi bien fait. C'est donc la colonie pénale ou un truc pareil. Donc c'est vraiment bien. Ou bien ça peut être un vaisseau ennemi ou un truc pareil. Donc voilà. Donc je vais replier tout ça et puis on va continuer pour voir le reste du contenu des boîtes. Alors, ça, ce sont les standees de différentes couleurs pour les jetons qu'on a vus, donc les personnages en acrylique qu'on a vus. Alors, ça, c'est les fameuses cartes avec les dangers. Il y a jaune, orange et rouge. Et donc, on commence avec les alertes jaunes. Et puis après un certain nombre, ça devient des alertes orange et puis rouge. Et les rouges, c'est vraiment tellement hard que si on survit à ça, c'est presque impossible. Donc je vais ouvrir ça. Donc dans ce premier deck, il y a en fait des cartes orange et rouge, je me rends compte. Il y a les fameux Battle Plans que les officiers peuvent piocher. Et à tous les caractères. Alors, il y a encore un deuxième deck que je vais aussi ouvrir maintenant. Et au fait, le deuxième deck, ce sont les cartes alerte jaune et encore quelques alertes orange. Donc, tout ça, ce sont les cartes. Alors, il y a encore un petit jeu de cartes avec différents skills. Donc, il y a plusieurs skills disponibles. Je vais vous tout de suite les montrer. Donc, on a la carte Skills, il y en a quatre différentes: Science, Ingénierie, Tactique et Commande. Et donc, on a besoin de ça pour faire plusieurs actions dans le vaisseau spatial. Alors, aussi, il y a les cartes pour tous les systèmes de vaisseau spatial quand ils sont online. Il y a aussi les recto quand c'est offline. Ça, ce sont des outils et des armes qu'on peut utiliser. Et alors, ce qui reste dans la boîte, ce sont les fameux torpedos. Donc, on a plusieurs torpedos disponibles, dépendamment de la difficulté qu'on choisit. Et donc, avec ça, on peut anéantir les chasseurs ennemis. Ça va être très important pour survivre la mission. Alors, voilà. Donc, ça, c'est toutes les cartes. Maintenant, on va passer au contenu de la deuxième boîte. Alors on commence avec les cartes bleues qui sont en fait une feuille de référence pour tous les ennemis qu'il y a dans ce jeu. Et un plan avec plusieurs infos, comment les ennemis se bougent dans le vaisseau. Il y a un ennemi patrouille qui bouge de cette façon chaque tour, chaque fois qu'il est activé. Donc il y en a une comme ça pour tous les joueurs. On peut jouer ça, je pense, 6-7 personnes. Non, 7 personnes maximum, c'est ça. Alors il y a encore d'autres cartes. Je vais déballer ça. Alors ici, il y a les plans improvisés. Improvised Plan, c'est un peu comme Battle Plan dans la première saison. Il y a les fameuses cartes alerte, jaune, orange et rouge. Et puis il y a tous les personnages disponibles et il y en a quelques-uns en plus. Je vais tout de suite vérifier lesquels. Donc ce sont tous les personnages qu'il y a dans la première saison et dans la deuxième saison. Alors ceux qui s'ajoutent, c'est dans la catégorie bleue des officiers. Il y a un sympathiseur, donc ça c'est un alien en fait qui est de notre côté. Et sur les ingénieurs, il y a un hacker en plus. Et au fait, pour le reste, c'est exactement les mêmes. Il y aura encore un petit jeu de cartes ici que je vais tout de suite ouvrir. Alors, on a les mêmes 4 skills que dans la première saison. Et aussi le wild. En fait, ceux-là, ils sont très bien parce qu'ils comptent pour n'importe quel des autres skills. Donc c'est un wild card, comme un joker. Alors ça, ce sont les cartes vétérans. On peut donner ça à chacun des joueurs parce qu'en fait, c'est des survivants de la première saison. Donc ils ont de l'expérience et ça donne quelques atouts en plus.
Alors, il y a la contrebande, ça je vais encore relire les règles, mais je pense que ça a à voir avec quand on est dans la prison, quand on se fait attraper par les aliens, on est retourné en prison, mais alors on reçoit de la contrebande. Ça fait aussi une petite aide pour gagner. Alors, ça sont tous les systèmes de la prison, online et offline, ou locked. Alors, il y a plein d'objets. Il y a beaucoup plus d'objets que dans la première saison. Des grenades, des bombes, etc. Donc tout ça pour aider les joueurs à gagner. Alors maintenant, on va regarder le dernier composant. C'est donc les standees. Ça, c'est quasiment la même chose que dans la première saison. Et, par contre, et là, c'est là la grosse différence. Ce sont les jetons pour le joueur. Parce que j'ai regardé, j'ai vu que c'est la meilleure qualité. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les standees sont découpés de manière à ce qu'il n'y a aucun détail perdu. Donc, comme vous voyez, les standees sont beaucoup mieux parce qu'il n'y a aucun détail qui a été coupé, comme dans la première saison. Donc voilà, on voit leurs bras, on voit leurs armes. Il n'y a rien qui est perdu. Le plastique est plus épais aussi. Donc c'est vraiment beaucoup mieux que la première saison. Et comme c'est exactement les mêmes, avec quelques-uns en plus, en fait, on peut tout de suite employer cette bonne qualité pour tout le jeu. Alors ce qu'il y a aussi, ce sont les aliens. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur fond noir. Les aliens dans la première saison, ils étaient sur le même fond, donc transparent, tandis que dans la deuxième saison, ils sont sur fond noir. Comme ça, on les reconnaît mieux et plus vite. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, déballage des deux jeux en même temps. Comme ça, vous avez une idée de ce qui vous attend si vous achetez ces jeux. Et comme je vous dis, donc, question personnage, c'est identique, sauf que vous en avez deux en plus. Et voilà, et les personnages donc en plastique de la deuxième saison sont supérieurs de qualité que la première saison. Donc si vous avez les deux jeux, il n'y a personne, il n'y a rien qui vous empêche de jouer avec la meilleure qualité, quoi. Comme ça, vous vous faites plaisir. Donc voilà, maintenant je vais jouer ce jeu plusieurs fois et je vais peut-être faire une vidéo plus tard avec... Des règles maison, parce que j'ai déjà une petite idée. Par exemple, je trouve que dans la première saison, les aliens ne font pas grand-chose. Ils sont juste là dans les chambres, ils bougent pas, ils tirent pas, et il faut juste dépenser une action pour les tuer. Tandis que dans la deuxième saison, ils sont plus actifs. Donc je vais essayer de combiner ça. Voilà. Je reviens vers vous dès que j'ai quelques jeux et que j'ai trouvé quelques règles pour éventuellement améliorer le jeu et éventuellement aussi combiner les deux saisons. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!